Moi, ça les amis, et c'est pour moi un plaisir pour m'asseoir avec vous. Je dis à qui c'est lundi 8 avril pour nous capables poursuivre avec études école du sabbat que nous avons fait tout au cours de semaine. Je vous rappelle, semaine ça, dans l'étude numéro 2, la question centrale, l'amour ou l'égoïsme. Mais je dis, nous voilà ensemble, les chrétiens préservés de manière providentielle. Bien avant même qu'ils nous entrent dans la portion d'étude ça. En nous prions, bon Dieu. Papa, nous qui placions dans le ciel, nous bénissons, nous exaltons. Nous te remercions pour bon temps et miséricorde manifesté dans la vie. Merci pour tout ce fait qui allait au-delà de la tête. Maintenant, mon Père, nous allons étudier ensemble la parole. Nous demandons que l'Esprit soit capable de conduire, capable d'éclairer nous. Et comme ça, nous allons aller tenter de comprendre et prendre position pour nous capables d'obéir ensemble avec volonté. Fais grâce, qu'il en soit ainsi. Au nom de Jésus. Amen. Zami, mwen remersye ou, mwen felicite ou, mwen encourage ou pour ensemble d'efforts que ou même consenti jour après jour pour capable étudier la parole de Dieu à travers guide d'études école du sabbat. Mwen ap rappele ou, chaque fois fini étudier, plaisir c'est toujours encourager ou pour partager étude ça avec entourage ou pour soit capable faciliter plus monde capable arriver étudier leçon école du sabbat. Sou beaucoup abonné, profitez fait ça et puis encourager l'autre monde pour faire même gens avec ou. Semaine là étude là c'est numéro 2. La question centrale, l'amour ou l'égoïsme, verset à mémoriser. Ésaïe 41, verset 10. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne vous mène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite. Triomphante, ce texte pour nous. Bien à tête, nous, pas d'habitude maintenant, qui c'est Ésaïe 41, verset 10. Je dis à nous parler ensemble. Les chrétiens préservés de manière providentielle. Miséricorde, grâce, providence, avec prescience bon Dieu, bagay sa yo, yo révélé clairement dans l'événement qui te conduit à sa nouvelle destruction Jérusalem. Cestius Gaius et l'armée romaine te encerclé ville. Dans un mouvement inattendu, alors que l'attaque qui était paraître imminent, mais par la suite, tu as pas retiré le corps. Parce que l'armée juive, tu as pas le poursuivre et tu as pas le remporter une grande victoire bien, sous l'armée romaine. Et bien, devant la fuite des Romains et la poursuite des Juifs, chrétien Jérusalem était réfugié en pays qui si on doit qu'il trouver les empérés au-delà du Jourdain. Et le signe promis avait paru et l'occasion était donnée aux chrétiens sur les qui vivent et à tous ceux qui les voulaient d'obéir à l'ordre du Seigneur. Et bagaille était tourné d'une façon que ni juifs ni romains yo pas opposé avec futur. Maintenant, nous allons lire dans Psaume 46, verset 1er, et puis Ésaïe 41, verset 10. Nous allons regarder qui ça verset ça. Prenons-nous sous sa nouvelle sollicitude providentielle, bon Dieu. Nous allons aller dans, pour nous lire des textes, c'est Psaume 46, verset 1er, puis Ésaïe 41, verset 10. Au chef de chant des fils de Corée, sur à la motte cantique, Dieu est pour nous un refuge et un appui. Un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Ésaïe 41, verset 10. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Dieu, le souverain et le dominé, et tout événement et sous la terre, pour capable accomplir volonté pâle. Bien que bon Dieu modifie parfois ses plans initiaux en fonction de choix que nous faisons en tant que monde, mais plan pâle là pour planète là, eh bien, il a accompli quand même. Bien un moment côté que peuple bon Dieu connaît difficulté, connaît persécution, connaît emprisonnement et même la mort pour la cause du Christ. Mais même dans un moment qui est plus difficile yo face avec attaque qui t'apparaît plus vicieuse de Satan, bon Dieu lui soutenir et lui préserver l'église. Maintenant, nous allons lire un autre texte
Nous allons lire deux autres textes. Nous allons lire Hébreux chapitre 11, verset 35 à 38, et puis Apocalypse chapitre 2, verset 10. Nous allons regarder qui réalité texte a révélé sous combat à mener face avec force mal. Et comment passer ça tout? Il est en harmonie avec l'idée de protection bon Dieu qui évoquait dans la question qui me souhaite poser avant. Est-ce qu'il y a une contradiction entre l'idée de protection bon Dieu et le fait que bon Dieu permette avec certaines personnes pour faire face avec souffrance douloureuse et même mourir en martyr pour la cause de Christ? Nous allons lire ensemble dans Hébreux chapitre 11, verset 35 pour le verset 38. Des femmes recouvraient leur mort par la résurrection. D'autres furent livrées au tourment et n'acceptèrent point de délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. D'autres oublient les moqueries et le fouet, les chaînes et la prison. Ils furent lapidés, sciés, torturés. Il mourut tué par l'épée, il allait sain et la vêtu de peau de brebis et de peau de chèvre, dénué de tout, persécuté, maltraité, et dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes et dans les entrailles de la terre. Et bien, ouais, il faut Satan pour détruire l'Église par violence, qui était inutile. Le grand conflit dans lequel périssaient les disciples du Christ ne s'arrêtait pas avec la vie de ces fidèles témoins tombés à leur poste. Apparemment vaincus, mais ils ont remporté la victoire. Serviteurs bon Dieu, capables de mourir. Mais l'évangile continue à répandre et le nombre des disciples a augmenté de jour en jour. Au fur et à mesure qu'il a tué les chrétiens, qu'il a maltraité, c'est au fur et à mesure et quantité à la augmenter. Ça veut dire et lorsque Satan utilisait des agents humains pour capable détruire et bien peuple bon Dieu par la force maltraité et bien ça pas empêché et bien que l'évangile là lui-même de continuer progresser. La réflexion que nous avons pour aujourd'hui qui ça dit que doit signifier pour nous le fait que les auteurs de la Bible qui avaient certainement connu la douleur et la souffrance aient pu néanmoins à maintes reprises écrire sur la réalité de l'amour de Dieu. Comment pouvons-nous aussi éprouver cette même amour de Dieu pour nous-mêmes? Vous êtes capable d'imaginer? Il y a un ensemble d'auteurs dans la Bible qui connaissent des moments douloureux, qui souffrent en pile. Mais pendant ce temps, ça va empêcher que vous-même vous parlez de l'amour de Dieu. Et moi, ensemble avec vous, nous sommes capables d'éprouver même sentiment ça. Nous sommes capables d'avoir le même désir là pour que nous sommes capables de continuer à témoigner l'amour bon Dieu, malgré les moments difficiles, malgré les souffrances que nous-mêmes nous connaissons ici-bas. Mais nous, en dépit de tout, ça qui est capable de arriver, ben nous, le peuple bon Dieu, il est toujours préservé. Ok? Chrétien, il est toujours préservé de manière providentielle. Ça veut dire bon Dieu, il est toujours bien régalé. Eh bien, sous petit lit. C'est pour ça que nous apprenons aujourd'hui. Les chrétiens préservés de manière providentielle. Merci, Père des cieux, pour la révélation parole. Et de nouveau, que jour après jour, nous capables de prêter dans la volonté. Et nous allons traiter comme de bons et de fidèles serviteurs. Fais grâce, nous allons mériter dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. C'est bien déjà, M. Tour. Bonne étude, bonne journée et à la prochaine.